Dans une photo qui nous a été envoyée par un patriote, un résistant congolais sur la place de Paris, des détails ont attiré notre attention. Lors d'une descente dite pour l'aménagement d'une voie goudronnée, Jean-Jacques Bouya, aux côtés de Colinet Makoussou. Nous vous invitons à bien regarder la photo qui apparaît à votre écran. Nous pouvons voir aisément l'impertinence du premier ministre du régime despotique de Denis Sassou Nguesso, juste à côté d'un homme surchargé par l'arrogance et le mépris, employant un code de communication non verbal vis-à-vis de son supérieur hiérarchique, Colinet Makoussou. Sur l'image, sur l'intrigante photo, Jean-Jacques Bouya donne des instructions et Colinet Makoussou, impuissant dans son regard, a les mains croisées, poussées vers l'arrière avec une expression faciale de subordination. Il vous suffit de regarder le pourtour de la photo pour mieux assimiler cette analyse. Tel un maître s'adressant à ses élèves. Je dirais plutôt, tel un maître adressant à ses initiés. Si Jean-Jacques Bouya se permet de prendre une telle posture publique à l'égard de Colinet Makoussou, car il sait en réalité qu'en face de lui, il y a une marionnette. Un homme qui avait été nommé pour calmer les ardeurs du groupe ethnique Vili, qui commençait à manifester son rejet du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso. Nous le savons tous. Colinet Makoussou n'a aucun pouvoir de décision, car les décisions sont prises par le cercle restreint du despote congolais. Cette photo en dit long sur la nature des hommes politiques congolais qui se sont aplatis vis-à-vis de cette famille qui gouverne le Congo d'une main de fer depuis près de 40 ans, et ce, avec la bénédiction de la France néocolonialiste. Et raciste. Jean-Jacques Bouya et Colinet Makoussou. Oko monte la mer à Tati.